Hello, alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer l'application, le projet que l'on vient de créer sur un téléphone mobile, que ce soit iOS ou Android. Alors, si tu veux aller plus loin, je te propose de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans cette playlist en suivant cette formation. Cette formation te permettra de créer une application de commande de taxi comme Uber avec React Native. Alors, on est encore à l'étape 4 à ce niveau. On a initialisé un nouveau projet. On s'est déplacé sur le dossier qui vient d'être créé. On l'a ouvert avec notre éditeur de texte favori. Et maintenant, il faut lancer la commande expo start pour lancer la compilation, etc. Pour, disons, entamer le processus de développement sur le téléphone ou tout simplement pour recommencer à visionner. Je m'embrouille un peu, mais je crois que tu as compris. Alors, je retourne sur le terminal. Je mets un peu d'ordre, je fais expo start. Alors, automatiquement, ça a ouvert une page web, expo developer tools. Et sur mon terminal, ça me met ce grand code QR et ça me donne quelques indications à la fin. Alors, je retourne d'abord sur ma page web ici, à ce niveau. Alors, on retourne à l'étape 5. On dit Preview your project. Alors, pour prévisualiser ou visualiser l'application, on demande d'ouvrir l'application Expo qui est installée sur notre téléphone et de scanner ce code QR. Et le tour est joué. Que tu sois sur Android ou iOS, tu n'as qu'à scanner ce code QR et tu attends que l'application puisse compiler. Ça puisse, je ne sais pas comment on dit bundle en français. Ça peut se compiler et charger tous les fichiers et après tu verras l'application. Tu n'as qu'à scanner cela et le tour est joué. Alors, je vais tenter de le faire avec mon téléphone. J'espère que ça va passer. Je vais afficher mon téléphone à l'écran. Alors, sur mon téléphone, j'ouvre l'application Expo. Je clique sur Scan, par exemple. Pardon. Scan, code QR. Et là, je scanne. Et là, il faut patienter. Tu verras tout en bas, il y aura un message qui dit que ça charge quelque chose. Alors là, ça me dit Packager is not running. Alors, je vais réessayer. Alors voilà, j'espérais qu'on ait cette erreur. Pourquoi il y a cette erreur? C'est parce que j'ai installé la version la plus récente d'Expo sur mon PC. Et je dois aussi installer la version la plus récente sur mon téléphone. Alors pour ne pas rendre cette vidéo beaucoup plus longue qu'elle ne l'est déjà, on s'arrête là et on continue dans la prochaine vidéo.